ม่ให้หมุนกล่องห้องน้ำห้องน้ำเย็นนึงไปยังไงไปสอนบ่ Alors ça, c'est un filet pour faire les petites crevettes, les petits poissons, mais plutôt les petites crevettes dans les rizières. Quand il n'y a pas beaucoup d'eau, donc il y a un bâton de chaque côté. À l'extrémité, vous avez une chaîne qui va racler le fond. Et c'est avec deux personnes. De chaque côté, il y a une personne qui va tenir le bois. Et ils vont racler le fond. Et ils vont faire ça, ils vont faire des passes, on appelle ça des passes dans les rizières. Et ils vont attraper les petites crevettes. On appelle ça kung dancing, des petites crevettes dancing. Et on les mange crues. Et on les mange souvent vivantes. Je vous montrerai ça quand il y en aura. Et là, c'est mes yaïs. Voilà. Mes yaïs qui couent. À leur âge, ils n'ont même pas besoin de lunettes. C'est incroyable. C'est incroyable. Et pourtant, je peux vous dire qu'ils bouffent du sucre. Ah ouais, du sucre, il y en a dans tous les plats. Hein. Mais voilà. Voilà, voilà. Ça coule, ça discute. Entre voisins, voisines. Ici, regardez, c'est là où je prends ma petite vitamine et c'est là où je mange de, la lana. Voilà. Alors on vient ici, il y en a qui prennent un café, il y en a qui prennent un petit biscuit, l'histoire de se mettre assis et de discuter quoi. C'est ça la Thaïlande. Et là c'est le village. Bon là il commence à faire chaud donc ils sont à l'intérieur, mais sinon en soirée c'est vrai que ça s'active, surtout après l'école, ça s'active, c'est vivant, voilà. Puis vous allez dans des endroits, dans des villages comme ça, à partir de 5 heures du soir, ils commencent à faire cuire le riz, ils commencent à faire chauffer les marmites au feu de bois. Donc ça sent vraiment bon, ça sent bon de tous les côtés, quoi. Voilà, c'est ça que j'aime, moi. C'est vraiment ça. C'est vrai que j'ai toujours des pincements au cœur parce que je garde toujours ces vidéos dans un disque dur, hein. Puis je les mets éventuellement dans des passerelles de comme YouTube, Facebook et tout le reste. Et quand ces personnes-là partent, j'ai quand même toujours ces souvenirs. Et ces souvenirs-là que je mets sur Facebook, leur famille récupère la vidéo. Hein, voilà. Donc beaucoup me suivent, beaucoup de Thaïlandais et des Thaïlandaises me suivent par rapport à ça. C'est que je donne vraiment des souvenirs des vieux. Voilà, c'est nos vieux. Voilà, elle a fini de coudre et c'est fini pour la vidéo.